On se propose ici de calculer l'incertitude à 95% de la mesure donnée par un ampère-mètre. La mesure est I égale 3,64 mA. La notice nous donne la tolérance constructeur, qui est de 0,1% de la valeur, plus 2 digits. Pour calculer l'incertitude à 95%, on va d'abord calculer celle à 68%, donc sigma i, qui va être égal à 0,1% de la valeur lue, donc de 3,64 en milliampères, plus 2 digits. Alors ici, le dernier chiffre affiché, c'est 0,01 milliampères, donc 2 digits, ça donne 2 fois 0,01, divisé par racine de 3, c'est la formule de calcul appropriée. Ceci nous donne une incertitude de à 68% de 0,01337. Pour avoir l'incertitude à 95%, on va multiplier par 2, on élargit l'incertitude. Donc delta i est égal à 2 fois sigma i, 2 fois 0,01337, et on obtient 0,0267 en milliampères. Ainsi, le résultat pourrait être écrit sous la forme i égale 3,64 plus ou moins 0,03 milliampères. On arrondit l'incertitude à un seul chiffre significatif, donc à 0,03, et on accorde si besoin est la valeur de la mesure à cette incertitude.